Aloha, c'est toujours Sonia, alias Sugulator sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve pour un haul tissu. Alors j'ai passé deux commandes, une chez Dressenstofen pour ne pas changer et une chez Haul Tissu où j'ai trouvé des trucs vraiment très sympas que je vais partager avec vous. Attention, c'est parti. Allez, on débute avec ma commande Haul Tissu. Alors en fait, j'avais commandé énormément chez Dressenstofen la dernière fois, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas de viscose, donc j'ai comblé ce manque chez Haul Tissu et chez Dressenstofen. Je vous montre le premier coupon, donc c'est un coupon hop, de 3 mètres, donc c'est du tissu crépon viscose jardin blanc rayure lurex. Voilà, donc il était à 5,56 € du mètre. Alors, est-ce que... déjà, si je vous montre à l'envers, je me disais, il est vachement clair à l'image. Non, mais il est juste à l'envers, Sonia. Voilà. Alors, il est carrément canon. Et il y a des petites rayures lurex. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, là, on les voit. Oui, je sais, mes ongles sont affreux. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai dû le décaler. Pardon. Voilà, donc j'en ai pris 3 mètres. 3 mètres. Alors dans celui-ci, je vois clairement une magnolia. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Ce sera une magnolia. On voit un peu que je galère à replier les tissus de 3 mètres. On adore. On adore. Donc, pour faire un petit point sur le tissu. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit. L'envers est juste un peu plus clair. Il est quand même super fluide. Alors, hop. Voilà, il est quand même très fluide. Au niveau de la transparence, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le doubler. Il est légèrement... Voilà. Voilà, on voit légèrement à travers, mais enfin, on devine. On devine plus qu'on ne voit. Franchement, il est top. Au niveau de l'élasticité, il n'y en a pas. Dans un sens un petit peu, puisque comme il est un peu froissé, il est un petit peu froissé, du coup voilà. En même temps, il est froissé, puis il n'est pas... pas repassé. Non, mais c'est très bien. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Alors en fait, le vrai premier tissu, c'est un tissu Toy Story que vous retrouverez dans mon podcast qui doit être actuellement en montage ou qui est peut-être déjà publié si vous venez plus tard. C'est un tissu coton cretonne. Ils ont eu plein d'arrivages Disney. Donc j'ai pris la version Toy Story, mais il y en a plein avec des Mickey et tout ça. Enfin, vraiment très sympa. Il est à 10 € 10 € du mètre, me semble-t-il, quelque chose comme ça. 10,90 € du mètre. Donc j'en ai pris un mètre pour faire une petite créa pour mon fils qui est un grand fan de Toy Story. Ensuite, nous avons ce tissu crépon viscose petite fleur blanc rayure lurex vendu au mètre. Alors le problème que j'ai, c'est que les tarifs qu'ils indiquent sur la facture, ce sont des tarifs hors taxes. Donc je vais vous donner les tarifs hors taxes au mètre. Vous ajouterez les 20% de TVA, hein. Donc là, celui-ci est à 5,56 €. Donc voilà. Il est super joli avec des petites rayures lurex, voilà qu'on voit bien. En termes de transparence, où en sommes-nous sur ce tissu? Eh bien voilà, ça va, hein. Franchement, ça va. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le doubler. On voit en termes d'ombre un tout petit peu, franchement, ça va. Élasticité, eh bien dans le sens non, voilà. Dans le sens là un petit peu parce que du coup il est un peu froissé, donc voilà, quand on détend le tissu, il est un petit peu élastique dans ce sens là, voilà, un petit peu de marge. Il est assez fluide, voilà. Il est alors au toucher, ça fait un peu crépon, enfin voilà, ça fait vraiment crépon, mais il reste agréable. Voilà, c'est pas non plus du papier crépon, c'est du tissu crépon. Il reste agréable, surtout à l'intérieur. Franchement, il est doux. Il est bien. Franchement, il est bien.
Et j'en ai pris 3 mètres. Maintenant, on a un tissu voile de viscose, crêpe, petite fleur, moutarde au mètre. Alors là, par contre, pour celui-ci, vous voyez, on sent clairement pas le crêpe. Il est vraiment hyper doux. Hyper doux, voile de viscose, clairement. Il est très très doux. Donc il a des toutes petites fleurs. Donc, très joli aussi. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'image. Il est vraiment moutarde. Voilà, là, il sort un peu jaune or. Ouais, là, c'est plus... Non. Ouais, voilà. C'est plus comme ça. Au niveau de la transparence, pareil, il est pas super transparent. Par contre, en termes d'ombre, voilà, on voit bien. Si j'ai de la lumière derrière, là, je vois bien ma main, moi. Il est hyper fluide. Très, très fluide. Plus fluide que l'autre, plus léger, plus doux. Bah, il est pas extensible, hein. Je vous montre quand même, mais... Voilà. Hop. Et dans l'autre sens... Voilà, donc là j'en ai pris 2 mètres et il était à 3 euros hors taxe du mètre. Donc franchement, je ne me suis pas ruinée et je pense que le rendu sera très sympa. Ensuite, nous avons un tissu voile de viscose fleur automne marine. Donc celui-ci, il était à 3,85 euros hors taxe du mètre. J'en ai pris 3 mètres. Alors, si je vous mets dans le bon sens, ça ira mieux. Alors voilà, bah là on le voit. Celui-ci, il est clairement transparent par contre. Hein. On me voit. Donc il est transparent. Bah, pareil, s'il y a de la lumière derrière, quoi. Parce que s'il n'y a pas de lumière et que je... S'il n'y a pas de lumière derrière, franchement, on ne voit rien. On voit rien, par contre, à doubler en bas, quoi, si on fait une robe, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Très très fluide, très doux, encore plus doux que l'autre qui a un léger côté crêpe, crêpe dedans. Là, vraiment, il est hyper doux. Hop, sur l'envers, il est toujours voilà, le marine un peu estompé. Il y a des petites fleurs roses, bleues, rouges dessus. Il est vraiment très très sympa. Je ne suis pas déçue. Je suis pas déçue du rendu. Il est un peu plus foncé que ce que... ouais, voilà. Il est comme là. Voilà. Là, c'est clairement la bonne couleur. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je sais pas. Je sais pas. Je suis un peu déçue. Alors... Je pense qu'il sera plus joli coupé qu'en coupon. Voilà, ça fait partie des coupons que, qui seront plus jolis une fois cousus que pliés. Comme ça, voilà. Je trouve qu'il ne rend pas grand-chose. Donc, celui-ci s'appelle tissu voile de viscose fleur Lisa bleu. Et il était à 3,85€ hors taxe du mètre. Donc, voilà. Bah, vous voyez plutôt la bonne... Là, ouais. Là, c'est la bonne couleur. Il est sympa, mais je sais pas. Pas hyper emballé. Pas trop d'idées là-dessus. Je pense que je ferai... combien j'ai pris de celui-ci? Ouais, ben, j'ai pris 3 mètres, hein. Mais c'est pas mal, parce que je ferai peut-être ma toile de Magnolia dans celui-là. Au moins, si ma toile n'est pas portable, je serai pas trop déçue. Ensuite... Nous avons du tissu voile viscose fleur Paula moutarde. Donc, de toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai les petites références et les prix que vous puissiez les retrouver. Voilà. Donc, celui-ci, c'est très, 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 très doux. Vraiment très doux, très agréable à toucher. Il est pas transparent. Il n'est pas transparent, par contre, je pense que pareil en lumière, non, même pas. Vous voyez, j'ai de la lumière aussi derrière moi et là on voit rien par transparence, donc celui-ci il est canon. Il a des petites fleurs un peu rouille, vert d'eau et noir. En termes de couleur, il est un petit peu, il est comme là, comme du côté de ma main, il est plus foncé. Il est plus foncé et il est clairement canon. Canon, canon. Il était, je crois que je vous l'ai dit, à 3,95€ celui-ci, hors taxe. Et le dernier de chez All Tissus,
Ça, je l'ai trouvé vraiment trop trop beau. Ah quoi, ils sont discrets mes tissus. Tissu voile de viscose plume fleurie blanc. Donc celui-ci était à 3,95 € du mètre. J'en ai pris 3 mètres. Il est hyper agréable aussi, hyper fluide, très fin. Donc bon, quand les grosses chaleurs ont envie de passer par chez nous, je pense que je serais contente d'avoir une pièce cousue là-dedans. En termes de transparence, il est un petit peu transparent, ouais. Sur les parties blanches, on voit la couleur chair qui dépasse. Et je pense que, hop, en ombre, non. Non, non, ça a l'air d'aller. Mais il est juste super joli, hyper fluide. Pareil, hein. Je suis là. Bah, pas d'élasticité dans le tissu, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, chaîne et trame. Il est très joli. Alors, pour les couleurs, je pense que vous les voyez plutôt bien. Le bleu est plus clair chez vous que là. Voilà, là, on est sur du bleu un peu plus foncé. Il est super beau, mais je ne sais pas quoi faire dedans. J'avais pris le patron de la robe Enor. Et peut-être que, je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire. Ce serait cool. Voilà pour ma commande haul tissu. Donc, elle a été préparée plutôt rapidement. La livraison était gratuite. J'ai été livrée chez moi. J'ai été livrée chez moi et c'était plutôt rapide. Je crois qu'en une semaine et deux jours, j'ai dû le recevoir. Donc voilà, plutôt contente du service de haul tissu. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. On passe maintenant à la commande de chez Dries & Stoffen. Donc, je vais tâcher d'améliorer mon accent hollandais. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'à la fin, je serai bilingue. On va commencer par le Travel Jersey Dark Jeans. Alors je me posais des questions sur cette matière et en fait bah, clairement c'est du lycra. Ouais, pour moi c'est du lycra. Celui-ci il est un peu, voilà, ils appellent ça Dark Jeans, donc jeans foncé. Avec ça on peut clairement se faire un maillot de bain, hein. Cherchez pas, si vous voulez vous faire un maillot de bain et que vous cherchez du tissu pour le faire chez Dries & Stoffen, c'est celui-là. Hein. On peut aussi faire des vêtements de sport, brassières, leggings. C'est voilà, c'est clairement la matière là. Il est à 6,95 € du mètre. Il est assez épais quand même, hein, plutôt de bonne qualité. Ouais, il est assez épais. Alors, est-ce qu'il est transparent quand il s'étire? Un petit peu. Un petit peu, voilà, si vous avez vos petites fesses là-dedans, je pense que faut pas trop d'aisance négative, voilà. Faut pas trop d'aisance négative pour le tissu là, hein, parce que sinon je pense qu'on peut peut-être voir le string à travers. Ou la culotte, au choix. Voilà, donc en termes d'élasticité. Alors, dans le sens là, voilà. Plutôt très élastique, hein, du jersey en même temps. Et dans le sens là, identique. Voilà. Donc il est extensible dans les deux sens. La couleur est plutôt bonne. Hein. Vous voyez la bonne couleur. Alors, ensuite on a toute une série de viscoses. Puisque ben, j'étais à court de viscose, donc sauf que chez eux, j'ai pris en majorité des viscoses unies. Donc, on a la couleur corail. Voilà. Donc, pour celles qui ont déjà testé le lin viscose de chez eux, c'est clairement la même chose, mais en plus doux. Vraiment plus doux. Il est très agréable. Par contre, je pense qu'il est un petit peu transparent. Il est transparent. Il est transparent, donc il faut le doubler. Pour un haut ou une blouse, ça peut passer, mais pour un short, par exemple, un petit short Marius, à mon avis, c'est un petit peu transparent. Donc il est très fluide, pas élastique du tout, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et il était à 3 € du mètre. J'en ai pris 2,50 €. Donc, on a clairement le même en version kaki.
Alors, comment il l'appelle? Il l'appelle pas Olive Green. Voilà. Olive Green. Donc, pareil, moins transparent quand même, parce qu'il est un petit peu plus foncé. Il est moins transparent, mais c'est exactement le même. Hein, je ne déplie pas. Je l'ai pris aussi en version viscose jeans, couleur jeans. Il est un peu plus gris, je dirais, que ce que vous voyez à l'écran. Et en termes de transparence, en fait, le tissage est pas très serré, donc ma transparence en termes de lumière, ouais, on voit clairement ma main. Hein, voilà, on voit ma bague, si vous voyez. Ouais, il est transparent. Donc à doubler. Oh mon prix, ça en va. Je suis de retour. C'était tout pour les viscoses. Enfin, c'était tout. Hein. Avec celle que j'ai pris avant, je trouve que c'est déjà bien suffisant. Hein. Je ne suis pas raisonnable du tout. Je le sais. Je le sais et je l'assume. Au moment où j'ai commandé, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils avaient une promotion sur le Punta di Roma noir. Et il était à 3 euros du mètre. Donc ça valait clairement le coup. Surtout celui de chez eux. Je l'adore. Il est extensible dans les deux sens. Donc ben, plus dans ce sens-là que dans ce sens-là, évidemment. Mais très bonne qualité. Assez épais. Voilà, je vois bien des pantalons. Pourquoi pas même une Sirocco là-dedans. Ça pourrait être sympa. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Puisque j'en ai pris 3 mètres. Donc ce sera à tester. Donc là, voilà, c'était le noir. Hein. Il y avait une promo, mais que sur le noir. Donc 3 mètres à 3 euros pour faire une petite sirocco. Je pense que ça peut être sympa. Alors, après j'ai craqué hein, sur un gros motif. Hein. Allez. Tadam ! C'est joli, c'est un petit peu exotique. Alors là-dedans, je vois clairement soit des petits shorts, soit une combinaison style... je la vois dans ma tête, mais j'ai pas de nom de patron qui me vient pour aller en face. Donc ce sera la surprise. Voilà. C'est bien des petites surprises des fois, non? Ce sera la surprise. Et il me semble, parce que j'ai plus les tarifs, Dressenhofen, c'est pas bien du tout. Avant, quand ils vous faisaient la facture, vous aviez le prix en face. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y a plus, le prix. Vous avez le prix total, mais vous n'avez plus le prix que vous avez payé par coupon. C'est un petit peu dommage parce que j'aimais bien savoir combien j'avais payé par coupon. Et d'habitude, je le note au moment de la commande et là, je ne l'ai pas fait. Donc là, je ne sais pas. Mais il me semble qu'il était peut-être un petit peu plus cher que les viscoses unies. Il devait être à 3,50€ maximum. Et mon dernier coupon de chez Dressenhofen, vous avez vu, j'ai pas fait non plus trop de folie. Hein. Le dernier coupon de chez Dressenhofen, c'était pour faire un test, puisque c'était la première fois que j'envoyais chez eux. C'est la broderie anglaise. Voilà, j'aime beaucoup la broderie anglaise, surtout pour faire des blouses. J'adore les blouses. Et je voulais voir ce que ça valait, leur broderie anglaise. C'est ça qui... Ça va être simple. Je vais y arriver. Elles sont pas très bonnes. Ça sent l'usine, quoi. Ouais. Ça sent pas super bon. Bon, en même temps, je les ai pas encore lavés, les tissus. Mais elle est plutôt de bonne qualité. Elle est jolie. Elle est vraiment très jolie. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du bleu, du vieux rose, du rose clair et du vert d'eau. Donc, moi, j'ai pris la bleue. Et elle était à, me semble-t-il, 4,50€ du mètre. Voilà. Donc, elle est clairement transparente. Je ne sais pas si on voit, on voit pas trop comme il y a la lumière en face, mais elle est clairement transparente. Mais elle est très jolie. Franchement, je suis pas déçue. C'est un petit voile de coton un petit peu léger comme ça, avec des petites feuilles brodées. Je ne sais pas si on les voit. Là, on les voit. Voilà, des petites feuilles brodées et puis ben, les petits trous typiques de la broderie anglaise. Voilà. Et celui-ci, ben, j'en ai pris, je crois... mettre, c'est un test qui est plutôt concluant pour la broderie anglaise. Voilà, autre petit truc, alors j'ai vu sur Instagram, on a souvent des pulls
Et j'avais la pub d'un truc et je me disais, ouais, ce serait carrément trop bien d'avoir ça. Et comme la plupart des pubs qu'on voit sur Insta, ben, c'est du dropshipping et ça vient tout de Chine, je me suis dit que ben, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Hein. J'ai été voir directement en Chine et pour une misère, clairement. Donc pour une misère, vraiment une misère, je crois que j'ai dû le payer 2 euros. Avec les frais de port, je me suis offert cet outil. Voilà, c'est une petite règle en plastoc, mais qui résiste à la chaleur, donc vous pouvez repasser dessus et sur laquelle vous avez gradué ici, donc 1, 2, 3 cm, 4 cm. Donc vous avez les arrondis pour faire les angles également, donc avec différents arrondis et l'angle droit. Voilà, donc pour repasser et faire votre ourlet du bas que je déteste, et ben c'est vraiment canon. C'est vraiment canon, donc clairement, je suis bien contente de mon achat. Voilà, ça facilite la vie. Et quand on peut se faciliter la vie avec 2 euros, ben faut pas hésiter. Même si je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas commander sur AliExpress. Je suis pas là pour faire débat, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ça ne me dérange pas de passer ma commande là-bas quand je vois que quelqu'un qui l'a commandé là-bas va me le revendre 20 fois plus cher. Voilà, c'était tout pour cette petite parenthèse, pour ce petit achat que je trouvais hyper utile. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent dans la barre d'infos. Voilà pour mon haul tissu. Sinon, j'ai acheté... Je me suis offert, parce que au mois d'août ce sera mon anniversaire, donc je me suis fait mon petit cadeau toute seule. Je me suis offert un combiné surjeteuse recouvreuse, parce que moi j'en pouvais plus de ma surjeteuse, clairement. Bon, c'était un cadeau, mais le problème c'est que le modèle là ne passe absolument pas les épaisseurs. Mais quand je vous dis épaisseur, voilà, deux éponges coton, ça y est, c'est déjà trop. Donc pour surjeter, c'était clairement la grosse misère. J'avais mes fils qui sautaient en permanence. Je suis passée par tous les fils, toutes les qualités de fils possibles. Voilà, donc j'ai ma lumière qui a décidé de s'éteindre et de ne plus suivre. Je pense que ça veut dire qu'il faut que je termine cette vidéo. Elle en a marre de moi. Donc oui, tout ça pour dire que je suis partie sur un modèle combiné. Je garderai celle-ci au cas où à côté si jamais ben, l'autre tombe en panne. La recouvreuse, ce sera dans tous les cas clairement un plus puisque mon aiguille double, ben, ça fonctionnait bien mais ça ne tenait pas. Voilà, pour le modèle que j'ai choisi, ben, ce sera la surprise. Je vous ferai une petite vidéo unboxing de ma machine une fois qu'elle arrivera. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, je pense d'ici une semaine. Voilà tout. Merci, merci ben, de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci, merci pour tout. Merci ben, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci aussi ben, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram. Je trouve ça génial de pouvoir partager tout ce que je fais avec des gens qui portent un intérêt. Voilà, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et puis à vous abonner si vous voulez être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos en sortant de nom. Voilà. Donc merci beaucoup et puis ben, je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien et faites-vous plaisir. Ciao, ciao!